Bonjour à tous, je vais prendre un petit peu de temps entre deux entraînements pour répondre à vos questions. Merci déjà de les avoir écrites. Donc on va commencer tout de suite. Première question. Et à part le basket, tu regardes quoi d'autre comme sport et quoi? Alors moi déjà au basket, ce que j'aime c'est le contact. Donc ce que je regarde beaucoup c'est le football américain. C'est un sport que j'aurais bien aimé faire s'il y avait eu un vrai niveau en France. Prochaine question. As-tu un animal de compagnie? Et si oui, dis-nous tout. Oui, récemment, je me suis pris un petit chiot, un American Staff, comme mon collègue dans le dos. Il s'appelle Nikita, c'est une chienne, elle a 3 mois et c'est un bonheur quand elle fait pas de bêtises pour l'instant. Un plat dont tu raffoles. La question est singulière, mais c'est des plats dont je raffole et c'est les plats de ma mère. Quand il y a un match France-Turquie, pour qui es-tu? Question assez ambiguë parce que je viens de jouer pour l'équipe nationale de moins de 20 ans, mais je dirais Turquie, désolé. Question suivante. Si tu es largué sur une île déserte, que tu ne pouvais prendre qu'une seule chose. Un bouquin et de quoi écrire. Histoire de partager ce que j'ai vécu et que si jamais quelqu'un le trouve, qu'au final, dans le fond, j'ai pas été tout seul. Sportivement, as-tu un objectif sur le long terme? Voilà, cette année, je me suis fait pas mal de tatouages et les tatouages que j'ai sur le côté, vous pouvez pas le lire, des gradins, mais c'est sur la motivation et la détermination. Il y a une ligne qui dit va le plus loin possible, il n'y a pas de ligne d'arrivée. Et c'est vraiment ce qui me motive, d'aller le plus loin possible. Qu'as-tu acheté en premier après la signature de ton contrat pro? Alors. Ouais, c'est une liste, mais j'ai acheté une liste de cadeaux pour mes frères et ma mère et mon père. La personnalité que tu rêves de rencontrer. Mohamed Ali. Aussi simple que ça. Quel est ton film et ta série préférée? Mon film préféré, c'est À la recherche du bonheur avec Will Smith. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Voilà, j'aime ce film pour la motivation que Will Smith interprète dans le film et le lien qu'il a avec son fils. Voilà, c'est ce pourquoi j'aime ce film. Quel est ton personnage de cartoon, manga ou super-héros préféré et pourquoi? Hulk. Tout simplement parce qu'il est inarrêtable. Voilà, je vous remercie encore une fois pour vos questions. Merci d'avoir pris un peu de temps pour les écrire sur la page du club. Et c'est avec grand plaisir que j'ai répondu à vos questions. Et venez nombreux jusqu'à la fin de l'année. Espérons pour les playoffs.